Oh, my friends don't care about everything as long as you got a story to bring. We'll take you along, take you along, take you along to some other places. We drive towards the other horizon, maybe to spend a couple of hundred till. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des vlogs appart. Je pars faire mes études dans une autre ville, donc je déménage. En soi, c'est pas à l'autre bout de la France, donc si j'ai besoin de revenir les week-ends ou quoi, je peux. Et ça c'est vraiment rassurant parce que c'est quand même mon premier déménagement. C'est vraiment une forme d'indépendance et j'ai l'impression d'avoir attendu ça toute l'année. Je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir vous partager tout ça sous forme d'épisode. Je me suis dit que j'allais carrément faire une série. Du coup dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez voir les premières impressions sur l'appartement que j'ai été visiter le 1er juin et on avait nos résultats Parcoursup le 2. Je vous conseille vraiment de prendre de l'avance, même si moi c'était juste une journée. Il y avait des visites prévues après la mienne. Quand je l'ai visité, ça a été vraiment un gros coup de cœur et on l'a réservé. C'est-à-dire que toutes les autres visites qui devaient avoir lieu ont été annulées. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur parce qu'il est vraiment au centre de la ville. L'ancienne locataire l'a trop bien agencé et du coup je me suis dit qu'il avait grave de potentiel. En fait, j'ai tout de suite imaginé ce que je pouvais faire. Bien sûr, ce vlog ça va pas être une vidéo en face cam, ça reste un vlog, c'est surtout pour vous annoncer un petit peu. Concernant le loyer, il était dans le budget de mes parents parce que c'est eux qui vont prendre en charge au moins les premiers mois le loyer, et après je vais tout faire pour réussir à être totalement indépendante financièrement. Mais du coup voilà, ça viendra au fur et à mesure parce qu'en plus je touche quasiment pas d'APL, j'ai pas de bourse, j'ai pas d'aide, donc voilà. Bon, du coup on est arrivé, donc on attend la madame maintenant qu'elle vienne nous ouvrir. Mais c'est un quartier trop bien situé. Même ma maman, elle vient de temps en temps ici, donc elle connaît un peu. Il y a une pharmacie, il y a un spa, il y a un Subway aussi. Trop bien. C'est incroyable. En juin, on signe tous les papiers, on règle les premiers frais, etc. Le 28 juillet, ma mère et ma sœur sont allées récupérer les clés pour faire l'état des lieux et tout. Je pouvais pas être là puisque je travaille cet été. Et forcément, c'était un jour où je prenais tôt et je finissais tard. Donc elles y sont allées sans moi. J'ai quand même demandé à ma sœur de filmer quelques plans. Du coup, je vous les insère pour voir l'appartement totalement vide. Ma mère a pris des mesures aussi pour qu'on puisse acheter les meubles puisque c'est un appartement non meublé. Je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais. Vraiment l'aménager à ma façon. Non mais on va prendre un petit de toute façon, j'ai pas besoin d'un gros frigo. Mais Ali, il était sur le côté. Non, il était dans une armoire. Tu sais, on ouvre un truc et il y a des rangements aussi en haut. Donc je pense qu'un petit comme ça c'est pas mal. Après il y en a plein, regarde, il y a celui-là. Ouais, mais en même temps je vais pas prendre un gros frigo pour moi toute seule. Non, maman, regarde comment c'est trop beau. C'est des congèles, c'est ça qu'il te faut. Ça, mais regarde comment c'est trop beau, j'adore. Mais il est incroyable en noir. Ah ouais, je préférerais largement noir. Ça y est, j'ai envie de tout acheter. Regarde les petites bibliothèques. Oui, moi je l'aime beaucoup. Ah, c'est une sorte de truc, elle est encore plus grande. Elle est encore plus grande et elle est moins chère. Mmh.
Honnêtement, le shopping des meubles s'est fait assez rapidement. On a vraiment pris les trucs de base. C'est un T2, j'ai oublié de préciser, mais voilà, du coup, j'ai la chambre et la salle de bain à part. Il y a une semaine, à l'heure où je tourne cette vidéo, mon père me fait la surprise et réserve un camion de déménagement. Et on va à mon appart avec lui et mon copain pour pouvoir monter tous les meubles parce que du coup, je suis au 6e étage, donc heureusement qu'il y avait un ascenseur. J'ai filmé énormément de trucs puisque juste les péripéties de monter tous les meubles au 6e, de commencer à les monter, donc c'est-à-dire le canapé, le lit. Du coup, je vais vous laisser avec toutes les images de ce dimanche. En fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'était il y a tout pile une semaine. Après, je pense que bah, y a le frigo et puis la machine à laver, on va être obligé de remettre ouais. Plus le meuble. Ouais, donc là, il y a lit, il y a canapé. Bah, tous les cartons, c'est canapé. Mmh. Et le lit, c'est la tête de lit, le sommier, le matelas et puis t'as la couette. D'accord. Wow. Ok, donc la dernière étape, on va aller mettre les meubles de la cuisine dans le camion. Comme ça, on a les plus gros meubles volumineux pour pouvoir déménager demain. Du coup, là, j'ai trop hâte, je suis trop contente. On vient d'arriver dans l'appartement, donc la locataire elle a laissé ça, enfin la proprio, ça déjà je pense que ça va pas rester, c'est pas très beau, et les tabourets je sais pas trop ce qu'on va en faire. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va monter les meubles, ça va, je suis au 6e étage, il y a un grand ascenseur, on a trouvé une place juste devant pour se garer, ce qui est rare dans cette rue parce qu'apparemment il n'y a jamais de place, donc on a vraiment eu trop de chance, puis voilà quoi, ah ça marche. On mange là du coup. Alors comment tu vois là, un truc Alors du coup attends, bah peut-être monter le meuble avec la télé là, comme ça on va pouvoir brancher. Ok. Bah en fait là techniquement il devrait y avoir le canapé, enfin elle l'avait mis là le canapé et ah la ouais. Télé ici. Ici, ouais. Mais après. Mais il y a ce meuble là aussi qui fait chier là. Ça faut l'enlever, c'est super moche, on dirait une cage à poule. Tu sinon. Mais de toute façon au pire si t'en veux pas ça, on le descend, on le canon à la maison puis on la part pour le. Ah oui, on en fait ça. Parce qu'en plus on regarde. Ou alors on fait l'inverse, on te met le frigo ici. Le frigo tu veux le mettre ici? Ouais. We started off Freddie and Daphne, so good that it felt like a chat to me. The girl in my dream like a fantasy, but we've been caught out in reality. We reached the pinnacle of apathy. It must been a victim of gravity because it declined so rapidly. I thought you was just like a masterpiece, 'cause you all I see in my gallery. I should have had a better strategy, 'cause I was falling for you naturally, but you've been plotting on me actually. You left me with nothing but agony. I stuck by your side so happily. We treated each other like drugs. Now I do not know what is happening. They tried to warn me it was bad for me, but I just brushed it off so casually. I put all my trust in the love, and I became another casualty. Coincidentally, you guarded my back and then you attacked. I never thought you was my enemy. It wasn't always like that. I remember the days when your voice was a symphony. Music to my ears. I would wipe your face when you would cry tears and then try to protect you from your fears. I was doing all of that for 4 years. Talking light years, not sure years. Shawty stressed me out, I need more beers. Tried to curry through like a warrior, but that wasn't enough.
voilà, vous venez de voir le premier vlog appart de ma chaîne. Le vlog est censé sortir dans 3 jours. Je ne sais toujours pas comment je vais monter la vidéo tellement j'ai de rush. Mais du coup voilà, j'espère que le premier épisode des vlogs appart vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je sais pas quand sortira le deuxième épisode, parce que ça va être tout l'épisode concernant le shopping et la décoration de l'appartement. Je pense que du coup je vais vous laisser là pour le premier épisode. On se revoit bientôt pour le deuxième. Entre temps, il y aura des vidéos back to school, je pense. Et je m'excuse vraiment de mon absence sur les réseaux cet été. Vu que je travaille à temps plein pour pendant 6 semaines pendant l'été, c'est vrai que déjà j'ai l'impression de plus avoir d'été, mais de plus avoir de temps en général. Je suis tout le temps crevée. Du coup voilà, j'attends tous vos retours en commentaire concernant la vidéo. Et nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !